Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc bienvenue pour votre guidance, pour voir les énergies qui tendent vers vous pour ce mois de mai 2020. Alors on va commencer avec ces premières énergies. Alors vous commencez avec l'homme réfléchi. Donc là on vous dit que sur ce mois de mai, il y a, alors soit vous messieurs, hein, ou un homme autour de vous, il y a une personne, il y a un homme qui va pouvoir vous apporter son aide, qui va pouvoir vous apporter son appui, qui va pouvoir vous enseigner certaines choses, vous apporter des informations. C'est un homme qui, voilà, qui a de la sagesse, qui a de la maturité, qui a beaucoup de compréhension. C'est une personne qui peut vous aider à prendre une direction ou vous aider à développer une direction, un objectif que vous souhaitez prendre. On peut parler également ici d'un futur amoureux hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est serein, qui a de bonnes connaissances et surtout de bonnes informations à vous donner. C'est quelqu'un qui peut vous amener de la discipline par rapport à vos recherches, une technique. C'est une personne qui vous mène hein, vers une énergie de guérison par rapport à un contexte. Et ensuite, vous avez la carte du magicien et du miroir. Donc là, ici, on vous dit que vous êtes l'alchimiste de votre vie, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut vous aider à mettre des objectifs en place ou vous apporter certaines solutions, hein. Ici, il y a le fait de mettre des projets en place, de mettre ses idées en place, d'avoir beaucoup de créativité, d'avoir tous les outils en main. Vous avez le potentiel, vous avez les connaissances, vous avez le savoir, vous avez tout, tout en main pour mettre ce que vous souhaitez mettre en place, pour apporter de la transformation dans votre vie. Il y a une grande énergie de confiance. Il y a cette notion avec ce magicien d'amener de la stratégie, d'établir un plan d'action, d'établir un plan de bataille qui est bien détaillé pour aller au bout de votre objectif. Hein. Il y a cette notion avec le magicien d'agir, d'agir, de mettre de l'action et de faire en sorte que les choses se réalisent. Hein. Et une grande énergie de communication ici avec ce magicien, vous saurez vous faire comprendre, hein. Vous saurez aller chercher les informations que vous posséder déjà, mais que vous approfondirez. Il y a cette notion de doser aussi, hein. Si quelque chose ne va pas, vous n'hésiterez pas à amener de la transformation, à amener le meilleur dosage qui soit. Superbe, hein. Vous avez le soleil, vous avez la réussite. On parle d'accomplissement et de nouveau commencement ici avec ce chiffre 1. Grande créativité, hein. Grande créativité, hein. Donc il y a vraiment une réussite sur vos projets ici, ami cancer pour vous, et une grande énergie de bénédiction, une grande énergie d'accomplissement. On peut parler de déplacement ici pour certains et certaines d'entre vous, d'envie de voyage. Il y a le fait de manifester, d'accord? De manifester une réussite, de manifester son inspiration, hein, sa créativité. Il pourrait y avoir des désirs d'enfants ou des naissances d'enfants autour de vous ou pour vous-même. En tout cas, il y a une énergie de croissance, une énergie d'abondance via vos inspirations. C'est vraiment, c'est chouette. Alors, avec le 77, vous avez cette carte 35. Donc là, ici, il y a cette notion pour vous, ami cancer, de savoir être à l'écoute, d'être à l'écoute des informations, de bonnes connaissances qui vous seront transmises sur ce mois de mai. Donc, prêtez l'oreille, soyez attentifs et attentifs, parce que là, il y a des personnes que vous connaissiez de près ou de loin qui vous apporteront ces informations nécessaires. Il y a cette notion aussi que vous soyez aussi une personne de bons conseils. Soyez à l'écoute d'opportunités qui arriveront vers vous. Oui, ce sont vraiment de très, 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 très bons conseils pour vous sur ce mois de mai. Hein. Donc, il y a des choses à saisir hein, de manière très positive et bénéfique pour vous. Hein. Bah, vous avez le triomphe, vous avez la réussite, hein. Vous êtes sur une énergie de victoire, hein, de récolter ici.
Ah bah écoutez, de récolter des contrats, des signatures. Là, ici, il y a des accords, il y a des fusions, il y a des alliances, il y a, voilà, il y a des signatures de papier aussi, hein, peu importe ce que c'est, mais par rapport à ces partenariats, par rapport à ces associations, ces fusions, il y a de très très beaux accords qui viennent à vous, hein. Une très belle énergie de communication, hein. Là, il y a le fait également d'être à l'écoute de son, sa partenaire, de ses liens fraternels. De personnes qui vous sont très proches, avec qui il y a un lien inconditionnel, hein. Ça peut être des amitiés profondes également. Mais de manière générale, ici, il y a de bonnes communications qui vont vous être très, très bénéfiques, hein. Il y a, oui, il y a de très bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Il y a de la nouveauté qui se met en place dans votre vie sur ce mois de mai. C'est très, oui, il y a cette énergie de nouveau cycle ici. Vous avez le soleil, voilà. Triomphe, réussite, accomplissement pour vous, amis cancer, encore des opportunités, des portes qui s'ouvrent à vous, des solutions qui seront trouvées également. Il y a, waouh, bah oui. De très belles, tendez l'oreille, hein. Il y a vraiment de superbes propositions ici qui vous seront faites, que ce soit des contrats financiers, des contrats professionnels, que ce soit par vos amis, vos proches. Il y a vraiment de très, très, très belles portes, hein. Là, dans votre tirage, vous avez un double oui, même un quadruple oui, hein. Vous avez le oui, vous avez le triomphe, vous avez le soleil, vous avez cette magnifique porte. Il y a quelque chose de bénéfique. Il y a vraiment de très, très beaux accords ici pour vous, amis cancer, hein. C'est superbe, hein. Très, très beau tirage, hein. Alors, en conseil, vous avez la carte de l'entrave. Ici, on vous dit qu'il n'y a rien, mais strictement rien qui vous empêche ce que vous souhaitez faire, ce que vous désirez au plus profond de vous. Voilà, donc mettez les actions. Vous êtes sur un mois de réussite, de très belle énergie, de grand rayonnement ici, hein. Vous allez être rayonnant et rayonnante ici, ami cancer, hein. Écoutez-vous, faites-vous confiance en vous et ne vous mettez pas vous-même des blocages, hein. Alors, il y aura des décisions à prendre, hein, sur ce mois de mai, hein, des choix à faire, hein, peut-être par rapport à, voilà, à plusieurs opportunités. Il faudra peut-être choisir plus l'une que l'autre. Mais voilà, donc vous pouvez prendre conseil autour de vous, mais sachez que la décision finale, de toute façon, vous appartient à vous et à vous seul, hein. Mais là, ce qu'on dit, c'est vous qui vous bloquez ici, hein, par rapport au fait de vous lancer. Oui. Mettez votre mental de côté, hein. Faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix, écoutez votre enfant intérieur. Faites confiance à vos ressentis, d'accord? Donc voilà, écoutez-vous, ayez cette énergie de confiance, mettez le stress de côté, puisque le stress peut également vous mettre. Peut vous mettre une entrave par de l'angoisse, par de la peur, par des doutes, et voilà. Et c'est pour cela qu'on vous demande de ne pas vous laisser prendre par votre mental qui pourrait vous jouer des mauvais tours. Voilà, amis cancer, je vais vous souhaiter de passer une agréable fin de journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous convient. Et puis surtout, cela vous permettra de recevoir les prochaines notifications sur les prochaines guidances. D'ailleurs, les prochaines guidances seront sur le thème sentimental, signe par signe. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.